Par exemple, récemment, on a pris le sujet de l'antisémitisme. Comment ? Vous êtes ici dans une mosquée où nous avons sauvé des juifs pendant la guerre. Ah ben non, ça ne compte pas. Les juifs qu'on a sauvés et qui ont manifesté leur reconnaissance à la mosquée de Paris, eh bien ça devient aujourd'hui comme une attitude des musulmans d'être des antisémites et qui a recueilli 300 ou 400 signatures. Enfin, vous voyez à quel point il y a un décalage et il y a un rejet de la vérité, toujours au déficit des musulmans, toujours pour humilier les musulmans et toujours pour exprimer aux musulmans leur mise à l'écart, comme dans les banlieues, nous sommes les banlieues de l'islam, avant même que Gilles Kepel ait écrit son livre qui a un double sens. Véritablement, il n'y a pas une religion qui soit autant l'objet, le sujet et la cible de ces volontés de changer, de transformer l'islam, de transformer le CFCM, de transformer telle ou telle structure de l'islam ou quelque part l'ensemble de la religion musulmane pour en faire ce que je ne sais pas. Si je le savais, si nous connaissions en quoi ces transformations ou ces changements pouvaient agréer ou être dans l'intérêt de la nation ou des musulmans ou de l'ensemble de la société française, nous pourrions donner un avis positif ou négatif. Mais là, nous sommes soumis à des velléités de transformation qui correspondent souvent à des circonstances qui touche la religion musulmane, mais quelquefois qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme on voit dans certaines crises ou dans certains aspects politiques, n'est-ce pas, qui font de l'islam un bouc émissaire, n'est-ce pas, pour cacher d'autres problèmes. Donc nous sommes extrêmement méfiants concernant une transformation qui se ferait des musulmans sans les musulmans. Macron, qui est venu trois fois à la mosquée de Paris, nous avait exposé des visions extrêmement jeunes, informées, modérées. Et nous espérons qu'il garde cette vision de respect qu'il a exprimé, de respect de la laïcité et de respect des hommes et des femmes. Moi, je l'ai entendu dire que s'il voyait une dame en foulard, eh bien, il respecterait cette personne-là. Donc, j'ose espérer que d'autres ne sont pas venus dire ou remonter l'esprit de M. Macron pour en faire quelqu'un qui aurait totalement changé et qui, à ce moment-là, sous l'influence ou sous une nouvelle réflexion, parce qu'il écoute beaucoup de monde et nous craignons qu'il n'écoute que des gens qui ne veulent que du mal pour l'islam. Il n'est pas venu une fois, il est venu trois fois pour trouver que nous avions véritablement une vision commune, une vision ouverte, une vision d'avenir et de travail en commun, ensemble, pour améliorer l'information et la situation du culte musulman en France, qui manque tellement et pour lequel il faut faire tellement de progrès.